Hey, coucou les amis, allez, on se retrouve avec un petit message avec l'oracle au fil des mots que j'aime bien. Je vais vous montrer sa boîte parce que j'adore avoir mes oracles dans des boîtes en fer pour les ranger, et en plus ils ne s'abîment pas, je trouve ça génial. Donc j'insiste vraiment à vous montrer les emballages quand je les trouve très ingénieux. Allez, qu'est-ce que l'oracle au fil des mots a à nous dire? Restez attentifs, je suis en train de faire les tirages généraux pour le mois de septembre, les amis. Donc, si vous voulez recevoir toutes les notifications, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a de l'affrontement, on a du combat, on a une bataille là qui va être à livrer. Ok. On voit que voilà, il y a des résistances ici, il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Et on sait qu'on va devoir se frotter un petit peu à quelqu'un ou à une situation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de pas très sympatoche qui arrive ici. Ok, à quel niveau, s'il vous plaît. Ouais. Il va falloir trancher. Il faut une décision de justice ici. Tribunal, etc. Ça va être difficile, ça va être un long combat, me dit-on, mais on va aller voir après la suite. Mais vous en avez besoin, vous avez besoin de quitter une situation, d'accord? On vous dit ici, il va vous falloir de la stratégie, beaucoup de stratégie. Il va falloir faire les choses correctement. Vous n'allez pas pouvoir quitter cette situation avec facilité, d'accord? Ça peut être par rapport à un accident, par rapport à une catastrophe. J'ai envie de dire, soyez prudent. J'ai envie de dire, soyez prudent. N'attendez pas, on me dit, la catastrophe. Si vous êtes en conflit, je vous donne un exemple. Vous êtes en conflit avec quelqu'un à votre travail. N'attendez pas de lui casser la gueule et d'être accusé au tribunal et de devoir justifier le pourquoi vous lui avez cassé la gueule, même si c'est vous qui avez raison, d'accord? Si vous êtes en conflit à la maison, n'attendez pas de péter les plombs et de devenir complètement fou et d'aller au tribunal après, vous allez devoir vous justifier, d'accord? Ici, on me dit attention, attention aussi à ne pas être très en colère et style à ne pas prendre la voiture. Waouh! Pourquoi la voiture, non. On me dit que ça peut concerner un homme. Ça peut être un homme aussi au niveau... Ça peut être une décision où il va falloir vous battre par rapport à une décision si vous êtes soignant ou une décision de justice par rapport à ça, je ne sais pas. Ça peut vous parler. Ça peut être une décision de tribunal administratif suite à un licenciement abusif. Je sais pas. Oh là là, mon Dieu. Ok, bon. Bon, alors. J'ai un message qui vient, qui ne me plaît pas, mais je dois le dire. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui ait vécu un accident. Et il y a eu des erreurs médicales, ou il y a eu quelque chose. Oh, j'aime pas ce message. Quelque chose de violent, quelque chose de subi, une catastrophe, un accident, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a beaucoup de souffrance ici, il y a la perte de quelqu'un aussi. Ça peut être aussi une épreuve, je vous le redis, au niveau d'une profession. Hein, on vous accuse d'avoir mal fait votre travail à l'hôpital aussi. Je ne sais pas, vous prenez vraiment tout ce qui vous parle. J'ai plusieurs messages. D'ailleurs, ça ne parlera pas à tout le monde, cette guidance. Mais ici, on vous dit qu'en fait, il est temps de clôturer quelque chose, de trancher dans une décision. Il va pas falloir vous laisser faire. S'il y a eu, par exemple, un accident dû à une stratégie, quelqu'un, ça peut être aussi, ça peut être aussi quelqu'un, un assassinat commandé ou, voilà, je suis vraiment désolée, mais
Il s'est passé un drame, peut-être pour certains d'entre vous. Cette guidance, ça va peut-être parler à une seule personne, mais c'est pas grave si ça peut l'aider. Voilà. Ici, il y a vraiment une notion de stratégie à mettre en place, ou alors il y a une stratégie pour mettre en place cet accident, pour créer cet accident par rapport à cet homme et pour endeuiller la famille. C'est possible. On me dit ici de ne rien lâcher. Si vous êtes la famille qui regardez cette guidance, ne lâchez rien. Ça peut vous parler d'un truc peut-être qui a eu lieu il y a peut-être des mois et que vous n'avez pas osé porter plainte ou je sais pas. Il y a un truc ici, on me dit il va falloir affronter certaines peurs peut-être pour certaines d'aller jusqu'à là. Mais alors bien sûr, ça ne parlera pas que de décès, hein, ou de... mais ça peut parler voilà, d'une décision. Je vais attendre. On va voir ce qui sort. Ça peut être un accident au niveau d'un chantier. Un chantier. Un accident provoqué par un patron pas assez prudent. Des fondations pas assez solides, un échafaudage pas assez, voilà. Ça peut être dans le bâtiment. On me dit soyez prudent si vous signez un contrat de ce côté-là, au niveau de d'un nouveau chantier. Et on me dit que si vous engagez des gens, soyez prudent au niveau de vos assurances aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont très stratèges et qui pourraient vous attaquer pour la moindre chose, d'accord? Donc voilà. Ça peut être aussi lors d'un achat ou d'une vente d'une maison. Faites attention, il y a peut-être des gens qui vous ont vendu une maison mais qui vous ont caché certaines choses, vices de procédure, etc. Et du coup, bah, il se peut qu'il y ait un accident dans la maison parce que, je ne sais pas, bah, une poutre qui tombe, un plancher qui s'écroule. Voilà. On me dit que si vous avez la possibilité, mettez du report dans cette signature de contrat. Réfléchissez à deux fois. Mettez en attente les choses pour éviter la catastrophe. Regardez vos contrats plusieurs fois. Regardez ce que vous allez acheter ou faire. Ouais, c'est un niveau avec une maison, hein. Avec un... Alors, ici, ça peut me parler aussi de décision d'héritage, de notariat, tout ça, suite à un décès d'un homme qui a eu un accident ou quelque chose comme ça, qui a eu des problèmes de santé. En fait, ici, attention, il y a quelqu'un qui essaye peut-être de ralentir la vente pour essayer d'être stratégique et de voir comment gagner plus d'argent que vous. Attention. Quoi qu'il en soit, le message est pourri, je suis désolée. Mais j'adore cet oracle parce qu'il est vrai. Et souvent, il est dans la justesse incroyable, dans une justesse incroyable. Et d'ailleurs, tout se suit, hein, j'aurais pu tomber sur des trucs. Mais c'est fluide. C'est fluide, c'est juste qu'il est tranchant, quoi. J'en ai trop là. Je regarde quand même. Ouais. J'aime pas ce que je vois. J'aime pas du tout ce que je vois. Qu'est-ce que j'ai sur mon compte? Ouais, c'est des liens. Des liens familiaux, des. Il y a des gens stratèges autour de vous, des gens proches auxquels vous êtes attachés. On me dit que c'est des personnes toxiques, des personnes qui vous manipulent. Ouais, l'accident, ou c'est quelqu'un qui est mort et quelqu'un de plus ancien, un père, un grand-père, quelqu'un de masculin. Hein. Vous avez perdu un grand-père ou... Et là, il y a quelqu'un qui essaye de retarder la vente. Il va falloir vous battre pour avoir... votre héritage, hein?
Les gens vont vous dire non, mais t'as, c'est pas pour toi, ça c'est pas à toi, c'est moi, blablabla. C'est ça. C'est par rapport à un projet. Attention si vos frères et sœurs vous disent ah, mais si on fait un projet plutôt comme ça, non. Parce qu'il y en aura toujours un qui voudra une part plus grosse. Je suis désolée, hein, mais c'est. Voilà. C'est une évidence. Dans ce tirage, c'est une évidence. On vous dit ici que c'est à vous d'entreprendre des recours en justice par rapport à ça. Vous allez y arriver. Les choses vont s'effacer, les choses vont. Cette personne, ce papa, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Vous étiez peut-être en conflit et du coup, il y a eu des choses qui sont passées en secret un petit peu. Parce qu'il a peut-être été manipulé par vos frères et sœurs ou tantes et oncles. J'en sais rien, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais du coup, on vous a oublié. On vous a dit non, mais en fait, toi, t'as rien à foutre ici pour récolter. Les gens, ils ont tout fait en loose dé, quoi. Ouais, conflit, 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 jalousie, secret. Mais vous allez y arriver. Vous allez récolter. Hein. Pour moi, vous allez y arriver. Ça va être dur, ça va être un long combat. Il va falloir prendre du temps, il va falloir souffler. Vous allez y arriver. D'accord? Vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire parce que vous méritez. Et peut-être même que vous méritez encore plus que d'autres. Hein. On me dit, je suis désolée, mais ça me fait rire, mais c'est pas rigolo. Mais souvent, vous savez, il y a des gens comme ça, ils croient, sont dans la stratégie, ils font signer des papiers aux gens qui disent s'occuper, mais en fait, ils ne s'en occupent pas du tout. Hein. Voilà. Bref. Et en fait, il y a. Il y a de la stratégie. Peut-être que cette personne âgée, elle n'a pas fait exprès de signer un papier qui pourrait vous mettre dans la cacaille, quoi, comme on dit chez moi. Mais pour rester poli. Ici, cette personne, elle s'est peut-être fait manipuler parce qu'elle était vieille, âgée, qu'elle avait Alzheimer, Parkinson, je sais pas. Une idée comme ça, en fait, de manipulation d'une personne âgée. Je sais pas si ça va vous parler. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle parce que c'est vraiment un message très particulier. Et ça serait cool de me faire un petit retour. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et puis, ben, bon courage pour la bataille parce que là, il va en falloir. Mais on me dit surtout ne baissez pas les bras parce que vous allez avoir gain de cause, d'accord? Mais ça va être long et fastidieux, ça va coûter de l'argent, certainement. Voilà, mais ne lâchez rien, d'accord? Voilà, plein de gros bisous, les amis. Ciao, ciao.